Je vous propose donc qu'on démarre avec la présentation de Pierluigi Crescenzi, professeur Pierluigi Crescenzi, professeur en informatique au Brown Sasso Science Institute. Merci beaucoup, Pierluigi. Pour donner juste en quelques secondes le contexte, la web conférence est organisée par Altruisme Efficace France. Dans le cadre d'une série de webconférences qu'on organise sur pas mal de sujets différents et où on essaye de proposer, de discuter de sujets qui permettent d'avoir des actions les plus impactantes possibles pour les autres. Et donc, dans ce cadre-là, souvent on discute de comment est-ce qu'on prend les meilleures décisions possibles. Et donc, la modélisation semble particulièrement pertinente pour ça. Donc, maintenant, je me tais et merci beaucoup, Pierluigi, pour cette présentation. Merci à toi, Guillaume, et bonne soirée à tous. Et merci de donner l'opportunité de parler de certains sujets de recherche sur lesquels j'ai travaillé l'an dernier. Mais avant de commencer à parler de ces sujets, permettez-moi de me présenter et d'expliquer comment j'ai décidé de travailler sur la modélisation du monde. En fait, j'ai commencé à travailler en informatique théorique à la fin des années 80, étudiant principalement la théorie de la complexité computationnelle et les algorithmes d'approximation. Donc, c'était un sujet vraiment théorique. Mais je suis continué à travailler sur la conception et l'analyse d'algorithmes, mais en me concentrant sur des domaines de recherche plus applicatifs tels que les réseaux sans fil et la biologie computationnelle. Et en même temps, j'étais impliqué dans des projets liés à l'application des technologies de l'information à l'enseignement de l'informatique, développant également des outils pour les personnes handicapées, telles que les personnes aveugles ou les enfants ayant des problèmes de dyslexie. Et au cours des 10 dernières années, j'ai surtout travaillé sur le développement d'algorithmes efficaces pour l'analyse des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. J'ai ensuite rencontré Emanuele, qui est connecté, un étudiant d'un de mes étudiants, qui m'a proposé de commencer à travailler sur la mise en œuvre des modèles du monde afin de contribuer avec nos capacités spécifiques à la solution de certains problèmes de notre époque. Donc, un objectif plutôt ambitieux. Et comme j'ai toujours été intéressé à appliquer mes compétences en informatique aux problèmes sociaux, j'ai J'étais très heureux d'accepter la proposition d'Emmanuel. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai appris au cours de cette dernière année. Commençons maintenant à parler des sujets de cette conférence web, c'est-à-dire la dynamique du monde. Le premier modèle du monde a été proposé au début des années 70 par Jay Forrester, un ingénieur, qui a écrit un livre intitulé World Dynamics, dans lequel il a proposé le modèle World 2. L'objectif de World 2 est de modéliser les interrelations entre la population mondiale, la production industrielle, la pollution, les ressources naturelles, l'agriculture et la qualité de vie. Donc, encore une fois, ils sont vraiment des objectifs très, très ambitieux. Et en fait, le modèle est plutôt simple. Il est formé de 6 secteurs interagissant les uns avec les autres, comme le montre la figure. Par exemple, les secteurs de la population influence le secteur des ressources, puisque plus la population est importante, plus les ressources sont utilisées. De même, le secteur de la pollution influence le secteur de la population, puisque plus la
la pollution est élevée et plus le nombre de décès est important. Donc, on peut imaginer cette interaction entre les secteurs. Et bien sûr, il y a aussi des boucles, comme par exemple les boucles qui partent de la population, ils passent pour les capitales, ils arrivent à l'agriculture et ils rentrent dans la population encore une fois. Il est important de noter que l'objectif des Forrester n'est pas de modéliser exactement chaque secteur, parce que ça, c'est vraiment difficile, mais de comprendre les effets de l'évolution de toutes les variables sur certaines variables clés. Par exemple, ici, donc, on peut voir que, par exemple, en lançant les modèles avec des données historiques jusqu'en 1970, la simulation a montré comme ces variables clés, qui sont la population, les ressources naturelles, les capitaux, la pollution et la qualité de la vie. Donc, la simulation montre comme ces variables évoluent au cours des 130 prochaines années. Et nous pouvons voir que la population augmente jusqu'à 2021 et commence à décliner. Dans le même temps, les ressources naturelles, ça, diminuent considérablement. Et la qualité de la vie diminue également. La pollution atteint un pic en 2050 et après commence à décliner. Donc, c'est ça les genres de conclusions qui fait la modélisation du monde essaie de trouver. En fait, les livres de Forrester contiennent beaucoup de figures comme ça, mais Forrester, il a après arrêté de travailler sur ce sujet. Forrester, il était un ingénieur, et des étudiants de Forrester, ils sont proposés un autre modèle. Parce qu'en fait, c'est quoi? Pourquoi voulons-nous modéliser le monde? Et la réponse est que nous n'attendons pas à ce que les modèles prévoient exactement les valeurs de toutes les variables. Mais on veut voir les principales tendances. Et plus important encore, nous veut voir les effets d'une politique spécifique sur ces tendances. Donc, pour faire ça, c'est avec cette idée en tête que, qu'en 1964, le modèle World 3 a été proposé par Meadows et al. Ce modèle est une évolution du modèle World 2. Et il est décrit très précisément dans le deuxième livre, Dynamic of Growth in a Finite World. Et tous les codes dynamo sont répertoriés, commentés et expliqués. Le modèle a été mis à jour et testé à plusieurs reprises au cours des 50 dernières années. Et je pense que les derniers tests et continue dans l'article de Gaia Harrington il y a 2 ans. Et le modèle World 3 est formé de 5 secteurs. C'est l'agriculture, la population, les ressources non renewables, la pollution et les capitaux. Et encore une fois, on peut voir les interactions entre les secteurs. Et par exemple, encore une fois, on peut voir que la population, en fait, les taux de décès, est influencé par la pollution. Donc, il y a un lien entre la pollution ici et les décès ici.
Et ça, c'est plutôt intuitif. Et en même temps, on a que la population influence la pollution, parce que plus la population est importante et plus la pollution est générée. OK, donc on peut faire la même chose avec les modèles World 3. Et même dans le cas de ces modèles, nous pouvons voir que la population augmente jusqu'à 2021, plus ou moins. Et après, il commence à décliner. Et dans le même temps, les ressources naturelles diminuent drastiquement et la pollution. La pollution culmine en 2034 plus ou moins et puis commence à décliner, bien sûr, parce que la population va décliner, donc la pollution aussi il va décliner. Et la production alimentaire par habitant et la production industrielle par habitant commence à décliner en 2012. Ce scénario est devenu très populaire sous le nom d'effondrement. Et il a été, en anglais, collapse. Et il a été l'une des principales raisons pour lesquelles le modèle World 3 a été critiqué. Mais en fait, les auteurs du modèle World 3 ont proposé dans les mêmes livres également plusieurs politiques qui pourraient permettre d'éviter le collapse, l'effondrement. Et un exemple d'un état d'équilibre durable est obtenu en combinant des changements de politique à la fois dans la technologie et dans les valeurs sociales. Pour stabiliser la population, la taille de la famille achevée souhaitée est réduite à 2 enfants par famille en 1975. Ça, c'est la politique. Et la croissance du capital industriel est réduite en 1990 et en réinvestissant seulement assez de production industrielle pour maintenir les productions industrielles par habitant à un niveau constant. De plus, des nouvelles technologies de recyclage et de dépollution sont développées et les choix sociaux s'orientent vers une préférence pour l'alimentation et les services. Donc, si on applique ces politiques, on peut voir que la population se stabilise. En fait, la population se stabilise en 2050 à 5 milliards de personnes. Et la production industrielle par habitant se stabilise en 1990 à $350 par personne et par an. Et la nourriture par habitant se stabilise en l'an 2000 à 3 fois le niveau de subsistance. L'indice de pollution persistant est maintenu à des niveaux très bas, et c'est ça, vous voyez, c'est très bas, et le taux d'épuisement des ressources est suffisamment lent pour permettre à la technologie et aux processus industriels de s'adapter aux changements dans la disponibilité des ressources. On peut voir que les ressources, oui, ils déclinent, mais pas beaucoup. Donc, en fait, le message de cette figure est qu'on peut changer les scénarios qu'on a vus avant si on applique des politiques qui forcent des changements technologiques et sociaux. Bizarrement, les livres de World 3 et n'est pas devenu populaire pour ça. Et pour moi, ça, c'est le contenu plus intéressant. Mais il est devenu
populaire à cause de la théorie de collapse, de l'effondrement. OK. 50 ans après, un autre groupe de chercheurs, en fait, il y a aussi un chercheur qui est en commun, ils ont développé un autre modèle qui s'appelle Head for All. Ce modèle était évolué en 15 ans et malheureusement, il n'était pas décrit précisément dans les livres. So, c'est pas vraiment clair comme les modèles étaient obtenus. Mais en même temps, les codes de l'implémentation Vensim, qui est un simulateur des modèles, est disponible sur le web. Et donc, on peut vérifier les équations du modèle. Et, OK. L'ambition du modèle est de prévoir la dynamique du bien-être humain moyen vers l'an 2100. Et les auteurs ont choisi de s'éloigner de GDP, de PIB par habitant comme objectif sociétal et de les remplacer par un indicateur de bien-être. Cet indicateur dépend du revenu disponible du travailleur par personne après impôt, de dépenses publiques par personne, du niveau d'inégalité, du réchauffement climatique observé et des progrès perçus. Le progrès perçu est égal au taux d'augmentation du bien-être au cours des 5 dernières années. Cette hypothèse reflète l'idée simple que si le bien-être augmente, les gens sont plus heureux et ont plus d'espoir pour l'avenir que si le bien-être est stable ou en baisse. Donc, le focus du modèle est sur cet indice de bien-être moyen. Et le modèle, en fait, est beaucoup plus compliqué que Word 2 et Word 3. Et en effet, il se compose de 12 secteurs interagissant les uns avec les autres. Et vous pouvez voir le modèle en synthèse du modèle dans cette figure. Et les auteurs ont étudié deux scénarios principalement. Le premier scénario, c'est le scénario qui suppose que le style de prise de décision conventionnelle des 40 dernières années se poursuive vers l'an 2100. Donc, rien ne change, pas beaucoup change, et les changements sont faits trop tard. Et un message principal est que le bien-être, c'est la ligne verte, et, diminuera. Ce n'est pas bien, bien sûr, et même si les PIB augmentent, les GDP ici, il augmente. Et aussi, les niveaux d'inégalité augmentent. On peut voir la ligne gris ici, il augmente un petit peu. Donc, c'est un scénario plutôt pessimiste qui est la conséquence du fait qu'on ne change rien ou on ne change pas trop et trop tard. Mais, encore une fois, les auteurs disent « OK, mais peut-être qu'on peut faire des choses différentes. » Et donc, il définit le scénario grand saut qui, au contraire, suppose que le monde accepte de compléter la prise de décision conventionnelle avec 5 objectifs extraordinaires, c'est-à-dire éliminer la pauvreté mondiale, arrêter les changements climatiques, mettre un terme au déclin de la biodiversité, arrêter la croissance démographique
et réduire les inégalités. Donc, ils sont vraiment 5 objectifs extraordinaires, mais si les auteurs de modèles, ils peuvent montrer que si on applique cette politique, on a le scénario grand saut, et dans ce cas, le message est qu'il est possible d'augmenter le bien-être moyen. Vous voyez la ligne verte, il augmente, et qu'au même temps, les niveaux d'inégalité diminuent. En fait, c'est la ligne grise. Même si les PIB augmente. En même temps, la tension sociale augmente, mais après, elle entre dans un équilibre. Et la population, elle fait plus ou moins la même chose. Il augmente et après, il va diminuer jusqu'à 2100. Donc, c'est possible. Le message est que c'est possible d'augmenter les bien-être moyens, mais que cela nécessitera vraiment un effort extraordinaire et collectif mené par l'État. OK. Donc, bien sûr, on peut être d'accord avec cette conclusion, on peut dire que c'est plutôt naïf, mais le message est qu'en utilisant la modélisation, on peut, une fois qu'on a décidé les modèles, on peut vérifier les conséquences des différentes politiques. Dans ce cas, si on applique une politique très révolutionnaire, on peut vraiment changer les futurs. Donc, comme j'ai dit, avec une collaboration avec Emmanuel et Paolo, Hicham et Aurora, nous avons développé un logiciel open source pour la modélisation d'évaluation intégrée globale. Actuellement, il implémente tous les modèles que j'ai décrits, donc Word 2, Word 3 et toutes les versions de Word 3. Et on a aussi implémenté Earth for All, même s'il n'est pas encore disponible sur les sites web, parce que, en fait, comme j'ai dit avant, les modèles Earth for All, ce n'est pas vraiment précisément décrit, et donc ce n'est pas facile de créer les codes corrects. En fait, on a passé beaucoup de temps à coder en Julia les modèles. Et maintenant, je pense qu'on a les modèles implémentés, mais on doit faire une espèce de software engineering pour les rendre plus modulaires. En fait, les principaux objectifs de Word Dynamics, les packages Julia, sont la modularité, donc la possibilité de définir chaque secteur comme un module software. Et donc, si on veut changer un secteur, par exemple l'agriculture, on n'est pas obligé de changer tous les autres secteurs. Ça, c'est typique de l'informatique et des logiciels. Et notre objectif est la transparence. Et ça, c'est vraiment important parce que je pense que si on veut utiliser un modèle pour prendre des meilleures décisions, je pense que tout le monde a le droit de vérifier comme les modèles étaient réalisés, quelles questions il a utilisées et comment il était codé dans les logiciels.
Et ça, ce n'est pas vraiment vrai, par exemple, pour R4All, parce que l'implémentation de R4All fait dans les simulateurs Vensim, et le code Vensim est propriétaire, donc n'est pas open source, et on ne sait pas comment Vensim simule les modèles. Et au contraire, WorldDynamics utilise des logiciels Julia qui sont tout open source. Et donc, on peut vérifier tous les passages de la simulation. Un autre objectif est la possibilité d'utiliser toute la puissance de feu de la communauté Julia, en particulier les logiciels qui sont en train d'être développés sur le calcul scientifique et sur l'apprentissage automatique. Si vous voulez essayer World Dynamics et vous voulez voir les modèles World 2, World 3 et j'espère dans les prochains mois, R4All, vous pouvez utiliser les répertoires GitHub et vous avez l'adresse dans cette diapo. Et donc, j'espère que vous avoir convaincu que modéliser le monde peut être intéressant et surtout utile. Et j'espère aussi que vous avez maintenant envie de jouer avec les modèles du monde inclus dans WorldDynamics et peut-être même de proposer de nouveaux modèles à intégrer dans notre processus. Merci beaucoup, Pierre-Louis. Du coup, une question sur, en gros, quoi faire une fois qu'on a vu ces résultats. Donc, est-ce que vous avez des objectifs d'essayer d'utiliser les différents modèles pour, par exemple, essayer d'encourager les gouvernements à mettre en place certaines politiques publiques plutôt que d'autres? Ou est-ce que vous en êtes encore trop à l'étape de la recherche et du développement et que ça, ce sera pour plus tard? En gros, c'est quoi vos prochains objectifs pour le projet? OK, ça c'est plutôt ambitieux d'imaginer d'interagir avec les politiciennes, mais et en fait, je pense que ça est déjà fait par les secteurs par exemple, du modèle Earth4All. Je n'ai pas parlé d'autres modèles du monde. Peut-être que quelqu'un connaît les modèles DICE du prix Nobel Nordhaus. Et j'imagine que dans ce cas, Nordhaus, il a essayé de convaincre les politiciens que quelque chose doit changer. Emmanuel et Aurora, Paolo, Hicham et moi-même, on est des informaticiens. Et donc, notre objectif était, OK, comment on peut contribuer? Et je pense que, comme je dis, l'idée est de permettre à n'importe qui de jouer, de vérifier, de tester les modèles, de tester des politiques différentes, parce qu'en fait, j'ai décrit les politiques qui sont décrites dans les livres, mais peut-être qu'on peut imaginer des politiques différentes dans une manière la plus simple possible. Et en même temps, on veut chercher l'aide d'autres informaticiens pour écrire des logiciels qui sont puissants, efficaces et surtout open source. Parce que je pense que la transparence dans ce sujet, c'est extrêmement important. C'est important que si on prend des décisions, on sait pourquoi on les fait. Et par exemple, moi, je ne suis pas vraiment fan maintenant des applications qui utilisent l'intelligence artificielle. Parce que ce n'est pas si facile d'expliquer pourquoi on a pris des décisions. Dans ce cas,
Si quelque chose ça marche pas, on peut dire pourquoi. Si le modèle est open source et les logiciels sont aussi open source. Donc, notre ambition est de contribuer, mais bien sûr, on a besoin de la collaboration des différentes personnes, pas seulement des informaticiens. OK, merci, ça fait sens. Moi, ce n'était pas bien clair pour moi. Je n'ai pas entendu si, du coup, le modèle Earth for All, c'était closed source, du coup. Mais vous avez quand même l'espoir de pouvoir récupérer la logique de modélisation, c'est ça? OK, donc, les équations, elles sont disponibles. Et c'est grâce à ça qu'on a, on a intégré les modèles dans Word Dynamics, parce que les équations sont publiées. Mais la logique n'est pas vraiment expliquée. Donc, on a juste copié les équations sans vraiment comprendre pourquoi il avait cette équation. Maintenant, on est en train de faire on l'appelle en informatique reverse engineering. Donc, on est en train de récupérer la logique à partir des équations. Et je pense qu'on va écrire à les auteurs de modèles, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont nous aider. Mais je pense que ça, c'est le moment important. Donc, la logique n'est pas open source. Les équations sont open source, mais pas la logique. Et surtout, les équations sont utilisées dans les logiciels Vensim. Et Vensim n'est pas open source. Donc, on ne sait pas exactement comment Vensim il est capable de résoudre les équations. Et parce que, en fait, on a même interagi avec Vensim parce qu'on avait un problème pas mal, mais pas réussi de comprendre rien. Il ne répond pas, ou s'il répond, il répond d'une manière insuffisante. Et l'idée est au contraire qu'on veut que tout est open source, même les solvers. Ouais. Très clair, merci beaucoup. Martine, vous aviez une question? Oui, moi j'avais une question au sujet justement de Earth for All, le scénario qui va bien, enfin qui améliore le bien-être. Si on peut peut-être revenir sur le transparent, oui. Pas oui. Si c'est possible. Ouais, okay. Oui, oui, ouais, c'est super. Ça. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Alors moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que le PIB continue à augmenter alors que on arrive à maîtriser le réchauffement climatique. Or ça, c'est ce qu'on appelle le découplage en fait en économie entre la croissance et les émissions de gaz à effet de serre. Et dans jusqu'à maintenant, les données montrent que ce découplage n'a jamais vraiment eu lieu ou dans certains pays, mais de façon temporaire. Et beaucoup d'économistes, enfin beaucoup, de plus en plus d'économistes commencent à douter de cette possibilité de découplage. Voilà, donc du coup, je voulais savoir si vous vous étiez posé la question et si si le modèle dit quelque chose de plus là-dessus ou pas. Oui, oui, merci de cette question. En fait, je pense que je ne suis pas capable de répondre complètement parce que, comme je dis, la logique du modèle n'est pas vraiment décrite dans le livre. Mais si j'ai bien compris, la justification à ce comportement est qu'on peut contrôler les réchauffements en proposant des métiers green, vert. Donc, l'État doit créer des jobs green. Donc, en même temps, on continue à avoir une croissance économique, mais avec des métiers verts. Et donc, avec la,
la réduction ou le contrôle, on peut dire, du réchauffement. Ça, c'est ce que j'ai compris. Et du coup, une production qui n'augmente pas, elle. Oui, c'est vrai. D'accord. Merci. Et sincèrement, je dois dire que ce scénario, c'est vraiment un grand saut. Je doute qu'on sera capable de convaincre les politiciens à faire ce grand saut. Mais encore une fois, je pense que l'objectif de ce scénario est de montrer qu'avec les modèles, on peut tester des politiques. Et ça, c'est une politique extraordinaire. Mais peut-être qu'on peut essayer de vérifier des politiques moins radicales. Oui. Oh, bonjour. Bonjour. Alors, je suis un peu moins convaincu sur l'histoire de découplage parce que c'est ce que j'entends, ça ressemble à la croissance verte et faire augmenter le PIB pour tout le monde, ça implique de le faire augmenter dans les pays justement dits en développement. Et là, ça implique obligatoirement d'augmenter la production de biens, de services, de déplacements, le CO2. Mais bon, on peut entrer dans un débat relativement compliqué là-dessus. Mais du coup, je suis plutôt intéressé par une autre question qui est sur le modèle World 3. Donc, jusqu'à présent, j'ai l'impression que la plupart des scénarios conduisaient à un arrêt de la croissance, donc un arrêt de la croissance du capital, croissance économique d'ici à, dans la plupart des scénarios, d'ici à avant 2050, il me semble. Je ne me souviens plus exactement ce que disaient les travaux de Guy Harrington en 2021 là-dessus. Quel est votre point de vue là-dessus en termes de il va y avoir justement un arrêt de la croissance d'ici là? Je ne sais pas. pour nous, créer les logiciels World Dynamics, on a travaillé un an sur ça. Je pense que maintenant, on a quelque chose qu'on peut utiliser. Et donc, malheureusement, jusqu'à maintenant, on a plus ou moins répliqué ce qu'on déjà connaissait. Et c'est maintenant qu'on veut essayer d'utiliser les logiciels pour faire des choses différentes et de comprendre mieux qui sont les scénarios, s'il y a des scénarios différents. Et donc, vraiment de jouer avec les modèles. Mais jusqu'à maintenant, je pense que je ne suis pas capable de répondre à ta question. Désolé. Mais j'aimerais commencer à faire ça avec beaucoup de gens, parce que je pense que on a tous des idées différentes et des visions différentes, et c'est important de contribuer à ça. En même temps, je sais qu'il y a aussi des résistances à considérer cette approche, la modélisation, comme quelque chose qui peut fonctionner. Mais sincèrement, la seule chose que je peux dire est que, oui, tu connais, si j'ai bien compris, tu connais les papiers de Harrington, de Gaia. Visiblement, les modèles World 3, c'est pas mal comporté, non? De ce que j'ai compris, plutôt bien, dans le sens qu'il n'y a que entre 2 et 4 scénarios qui sont encore envisageables, il me semble. Le business as usual, c'était compréhensif technologique. Il me semble que le modèle, le monde réel a un peu dépassé en termes, par exemple, de capital ou je ne sais pas si la population, les prédictions initiales du business as usual. Mais du coup, je m'intéressais justement sur la question des limites, hein, évidemment, parce que c'est un peu la partie qui nous intéresse. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que le problème du papier Guy Harrington, c'est qu'il n'y a pas de graphique, donc pas de manière visuelle, et du coup, c'est beaucoup moins bien. Oui, par exemple, une chose qu'on a bien travaillé, c'était de rendre la production des figures plutôt facile.
Et en fait, maintenant, on était capable de reproduire toutes les figures des World 3, des World 2 et des Earth for All. Mais je pense qu'on peut aussi facilement générer les figures de, d'autres scénarios. Et ça, ça aide beaucoup bien. Du coup, peut-être une question encore. C'est donc les prochaines étapes. Florent posait la question tout à l'heure de quand est-ce qu'on apporte ça aux politiciens pour qu'ils décisionnent. Et donc je comprends que là le projet c'est un projet de recherche c'est ça votre rôle. Les prochaines étapes, c'est intégrer davantage de modèles. De quoi le projet a besoin pour continuer à avancer et à s'améliorer? Plus de main d'œuvre, plus d'idées, plus de quoi? Oui. Plus de temps. Oui, je pense que maintenant on est au point dans lequel on a besoin de collaborer avec des chercheurs, mais des personnes qui s'occupent des choses différentes. Et moi, je suis informaticien et je connais mes limites. Donc, je sais que je ne peux pas faire tout. Je ne connais pas tout. Et donc, j'ai besoin maintenant d'interagir avec... et je pense, par exemple, c'est pour ça, je pense que ça a contacté d'interagir avec des gens qui connaissent des choses différentes, mieux que nous. Et pour, oui, à la fin, c'est vrai. Et l'objectif, c'est comme disait Florent, de proposer quelque chose aux politiciens, mais OK. Parce qu'on a aussi des objectifs plus scientifiques, c'est-à-dire plus informaticiens, technologiques, comme l'application de l'apprentissage automatique pour faire des petites choses. Mais ça, c'est plutôt la recherche. Sincèrement, maintenant, j'aimerais vraiment parler avec beaucoup de gens pour comment on peut utiliser ça. Ben merci beaucoup pour toutes ces réponses, Pierre-Louis et Emmanuelle, et pour toute la présentation et pour le projet aussi qui devrait, avec un peu de chance, nous bénéficier à tous dans les prochaines décennies. Si c'est bon pour tout le monde, on peut clore la discussion pour ce soir. Comme Pierre-Luigi a dit, moi j'aimerais bien parler à des gens, experts du climat, économistes, n'hésitons pas. Encore une fois, merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. C'était vraiment un plaisir. Et si vous avez envie de travailler sur ce sujet, je pense qu'on est là et on sera très contents.